istante i palpiti del suo bel cuore sentir, i miei sospiri ancora fondere per poco a suoi sospiri. I palpiti sentir, confondere i miei co suoi sospir, cielo si può morir, di più non chiedo, non chiedo. Bonsoir à tous, nous poursuivons une aventure commencée il y a 15 ans. En 1970, dans ce même studio, au but de Chaumont, studio 15, nous avions accueilli Luciano Pavarotti. Il n'avait pas encore cette célébrité, je dois dire que la voix royale est venue très vite. Nous sommes heureux de lui consacrer ce grand échiquier. Vous avez écouté au commencement un extrait de l'élixir d'amour de Donizetti, et nous allons poursuivre. Luciano Pavarotti va poursuivre avec un extrait de Luisa Miller de Verdi. L'orchestre de l'opéra est dirigé par Anton Guadagno. Luciano Pavarotti, je crois qu'il y a chez vous une véritable joie de chanter. Io una, sì, una grande gioia, veramente. Mi ritengo un baciato da Dio, perché ho questa grande fortuna di fare la professione che voglio nel migliore dei modi. Direi che è una professione abbastanza artistica, non siamo creatori, siamo degli esecutori abbastanza artistici. Depuis Caruso, Luciano Pavarotti, on n'avait jamais tant parlé d'un chanteur avec surtout une telle flamme et je dirais même une telle démesure. Alors cela tient à quoi? Non lo so. Je ne sais pas. Non lo so, io amo molto il prossimo. Se questo vuol dire essere riamati, forse questo è un motivo. Ho una grande gioia di vivere e questo si vede. E forse molte persone si identificano in me, penso che sia questo il motivo, oltre a quello vocale e musicale.
Avez-vous conscience de ces places que vous occupez? Vous êtes parfaitement au courant de la stature qui est la vôtre? Non. Franchement. Non, francamente, io non so dove sono adesso. Penso di essere in uno dei posti più importanti di Parigi, è vero? Sì. Allora per questo penso di essere importante anch'io, ma non mi fermo mai a pensare in quale punto sono della mia professione. Mi guarderò indietro quando ho finito e allora mi giudicherò. Il vuol dire par là qu'il est trop jeune. Presto, quindi troppo giovane. Ma speriamo che sia troppo presto. J'espère que c'est trop tôt. Est-ce qu'il a attendu? Lui a-t-il fallu attendre? La professione del cantante lirico è veramente molto lenta, molto tranquilla, molto solida. Si fa un passo dopo l'altro. Non si nasce in una notte come le stelle di Hollywood. Ci vuole del tempo. Le conquiste che si fanno per fortuna rimangono se con te rimane la voce, ma ho dovuto lottare come tutti, sì, almeno 15 anni. Le grandi voix ne sont pas tellement nombreuses, Luciano Pavarotti. Vous pourriez les compter sur les 10 doigts de vos mains, les très grandes voix. Forse anche di più. Peut-être qu'il faudrait un peu plus de mains. Un peu plus, non, mais je ne demande pas mieux, moi. Les voix d'aujourd'hui, devi essere più generoso. Si, alors combien? 15, 20? 20. 20. Dans les 5 premières. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ah, tout le monde le sait. Yeah, yeah. Oui. Vous croyez que je le sais? Yeah. Ah, vous le savez, Luciano Pavarotti, nous avons construit cette émission autour de vous, avec l'orchestre de l'opéra qui est dirigé par Anton Guadagno. Et même dans ce décor, il y a des tableaux. Et ces tableaux sont encore de Luciano Pavarotti, parce que Luciano est également peintre. Hein? Est-il bon peintre? Pourtant. Terrible, mi vergogno. J'en ai honte, c'est terrible. Oui. Vous préférez peut-être chanter Rigoletto? Si, si. Ah, oui, c'est... Alors, nous avons deux extraits de Rigoletto. Questa o quella. Tout d'abord, et ensuite le fameux La Donna Immobile. Alors je vous demande de rejoindre l'orchestre. Bene, andiamo pure. Intorno mi vedo, nel mio cuore l'impero non c'è, dove il galura che ad altra beltà, la costoro avvenenza e quel d'oro, di che il fato ne infiora la vita, so di questa mi torna gradita, forse un'altra, domani lo sarà pure. La costanza tiranna del cuore, detestiamo qual morbo crudele, sol chi vuole si servi fedele, non va amor, no, se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti la smania e delido, anco d'arco di cent'occhi di sfido, se mi punge una qualche beltà. Qualche beltà.
sera chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il cuore, ormai non sentasi felice appieno, chi lo su quel cielo non gli va amore. La donna è moglie, la più maravento, Luciano, vous chantez des œuvres totalement différentes, presque dans le même temps, enfin dans le même mois. Vous pouvez chanter par exemple l'Elixir d'amour, la Bohème, Tosca. La musique est scritte con parole italiane. Non, parce que la musique est écrite avec des mots italiens. Mm. Alors, io conosco molto bene la mia lingua. Je connais très bien ma langue. Mm. Et penso anche à quello che dico quando canto. Mm. Et je pense à ce que je dis quand je chante. Alors, c'est abbastanza facile. Donc, c'est très facile. L'interprétation s'impose d'elle-même. Ma si studia anche a casa. Però è una cosa che forse nasce con te. È un gusto. Mais vous osez l'impossible. Je parle par exemple parfois de la note très haute. Si? Avoir beaucoup d'audace lorsqu'on se lance par exemple sur une note très haute. Vous n'avez pas des vertiges parfois? Non, non, jamais. Solo nell'ascensore ho le vertigini. Je n'ai le vertige que dans l'ascenseur. Perché soffro di claustrofobia. Parce que je souffre de claustrophobie. No. Dans Tosca, par mi exemple. Mi è sempre piaciuto osare. Io j'ai toujours aimé oser. Ho forse la mentalità del pioniere. J'ai la mentalité, l'âme du pionier. E questa è proprio la professione giusta per osare. Et c'est le métier où il faut oser. È come l'uomo che cammina sulla corda nel circo. C'est comme l'acrobate qui marche sur la corde dans le cirque. Sa che tutte le sere può cadere. Il sait qu'il peut tomber tous les soirs. Sans filet. Ma speriamo che non cada mai. J'espère ne jamais tomber. Quelles sont vos relations avec le chef d'orchestre? Ou vous le dominez, ou alors vous l'écoutez attentivement. Ma non esiste che si possa dominare il direttore d'orchestra. On ne peut pas dominer le chef d'orchestre. Il direttore d'orchestra è l'ultima espressione del despota. C'est l'escote. Oui. È l'ultima espressione. Giusta che sia così. Giusto che sia così, perché nella musica ci sono delle dinastie precise da rispettare e credo che il direttore d'orchestra sia il re, quello che deve decidere. Poi ci siamo noi cantanti che facciamo più o meno quello che lui dice e anche quello che noi vogliamo, tutti e due insieme. Ma ci deve essere un responsabile e certamente il direttore d'orchestra. Le chef d'orchestre est donc le seul dictateur que l'on peut applaudir. Oui. D'accord. Si, si. Vous revenez quand à Paris? Parce qu'il y a eu un rendez-vous manqué. Je sais que votre emploi du temps est pris jusqu'en 1990. Alors quand à Paris à l'Opéra? À Paris à l'Opéra, je vengo pour faire Bohème. Oui. Bohème. En 87? D'abord. Si. 26. Et nell'86. En 86. Je chanterai dans Bohème. En 86, oui. Et puis vengo nell'87 pour faire Elisir d'amore et Aïda. On a pris rendez-vous 86 et 87. Luciano Pavarotti, nous avons fait une promenade dans un pays que vous aimez. C'est votre source. Il s'agit de Modène. C'est votre pays, Modène. Modène, en Italie. Oui. C'est mon cœur. C'est la città del mio cuore. C'est la ville de mon cœur. Parigi est fantastique, Roma est fantastique, New York fantastique, mais Modène est Modène. Fantastique, Rome est fantastique, New York également, mais Modène, c'est Modène. Oui, mais il vit beaucoup en Amérique. Il y a une trahison là. Si, si, ma Modena è Modena. Oui, mais Modena c'est toujours Modena. Alors vous allez voir, Luciano Pavarotti, vous connaissez bien votre ville, nous on la connaît un peu moins. Maurice Tannant, le réalisateur, vous a accompagné, Hubert Passot était à la caméra, et
Vous allez voir, les spectateurs étaient venus très tôt, car nous avons même filmé la pendule, vous savez. Le spectacle était à 21h, mais à 18h déjà, les gens venaient. C'est peut-être parce que c'était gratuit. Forse perché era gratuito? Sì. Mia città natale, sono nato qui 49 anni fa, ci si sta molto bene perché è una città piccola di provincia ma anche molto ambiziosa, è la città più ricca d'Italia, abbiamo il maggior reddito pro capite, vuole dire che è una città molto industriosa, è una città che vuole lavorare, vuole fare bene in campo nazionale e mondiale. Senza voi, le mani sono fatte per voi. Ha detto no. Il voglio di tutto. Compagna di sordina, la mia bella fornalina, al balcone non c'è più. Trascina con sé e travolge il mio cuore. Ed un'ombra lontana e una stella lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. E forza, mio maestro mi ha insegnato per i primi tre anni dello studio, dal 55 al 58-59. Grande vocalista, grande tenore, grande uomo. Considerando che la voce del tenore è una voce costruita, quindi ha certi passaggi di obbligo più di un'altra voce, quella del avere la fortuna di avere un tenore che ti insegna, che si fa capire e che tu lo capisci è stato per me una cosa meravigliosa. Il maestro è contento dell'allievo? No, ma è meglio che dica che è contento, altrimenti io lo strozzo. Mi ha detto che sono contentissimo. Oh,
Che canto in piazza per il pubblico della mia città, è la prima volta che canto anche gratuitamente qua a Modena, perché poco tanto mi hanno sempre pagato, ne farò degli altri dei concerti, ma non è che voglia esplorare un nuovo modo di esprimermi attraverso la piazza, non è una conquista, è una cosa fatta bene per la mia città. Stasera chi canta? Pavarotti? Luciano Pavarotti. Un Pavarotti. I can't wait to see Luciano. E poi il nostro paesano, che se vuole. Noi era dotato. No, è chiaro, abbiamo trovato. Yeah.
Luciano Pavarotti, nous étions là à Modène et Liane Bordoni et Josette Cominec m'ont dit que dans cette salle, dans cette place, sur cette place, il y avait 30 000 personnes et que 15 000 n'avaient pas pu entrer. Et il y en aurait eu autant, et c'est ça votre grâce, si le spectacle avait été payant. 1000. Autant, autant. Ça vous fait plaisir de voir un succès comme celui-là? C'est stata una delle serate più belle della mia vita di artista. C'était ce moment-là, anche di uomo, anche di uomo, perché e noi abbiamo un proverbio che forse va bene anche per voi, visto che siamo cugini: nemo profeta in patria. Invece devo dire che a Modena mi vogliono molto bene. C'è un amore reciproco. Vous le savez mieux que qui que ce fût, la voix est une angoisse, la voix est une difficulté. Alors avez-vous peur? Ho paura della voce. Ai-je peur de la voix? È la mia migliore amica. C'est la meilleure amie. Oui, mais une voix peut trahir. Ma anche una donna può tradire. Une femme également. Ouais. C'est autre chose. Et meglio se tradisce la voce. C'est la voix. Oui, mais c'est un combat permanent que ce combat que vous menez avec la voix. Sarebbe un grand un divorzio terribile. Mais enfin, il y a quand même une permanence de l'effort. Sì, certo. Bien sûr. Ma è una permanenza atletica come dell'atleta che fa i 100 metri, come del giocatore di football. Platini fa più fatica di me. Grand ténor, Platini, grand ténor. Platini, grand ténor, qui va conduire l'équipe de France à la victoire pour la Coupe du Monde. Hein? Yeah. Yeah. Doucement. Italia? L'ultima volta, sì. Quelles sont les grandes puissances de la voix? Il y a d'abord une soufflerie, tout travaille dans un corps. Credo che la voce è supportata, parlando di muscoli, dal diaframma, che passa, la voce passa attraverso le corde vocali, raggiunge delle risonanze che abbiamo, che fanno la voce di ognuno di noi diversa da quella di un altro, e si basa su queste cose. Logicamente tutto deve essere guidato dal computer che è qua dentro, che è il cervello. Luciano Pavarotti, a chaque fois vous devez vous remettre en cause, alors je voudrais savoir comment vous considérez et le public et la critique. Che differenza c'è fra uno e l'altro? Quelle est la différence entre le public et la critique? Il n'y a pas de différence entre le public et la critique. Non c'è differenza. Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui jugent. Il pubblico è la critica totale. C'est le public qui est la critique totale. Il critico è il critico parziale. Il critique, lui, è parziale. Forse, dico, più sofisticato, ma forse. Peut-être le critique est plus sophistiqué que le public. E forse, perché forse? Perché il pubblico è una persona con una idea che può delle volte essere sbagliata. Il pubblico con mille idee è democrazia ed è un voto totale. Luciano, vous avez tout essayé. Vous avez été un pionnier en tout. Par exemple, vous avez été celui qui a fait de la publicité aux États-Unis. Hein? Je dois dire qu'on vous l'a beaucoup reproché. Mais io ho fatto pubblicità per me negli Stati Uniti, perché de la pubblicité pour moi-même. Et pour les autres aussi. Io ti spiego, hein. Je vais vous expliquer. Il mio manager mi ha telefonato per dirmi se facevo pubblicità all'American Express. Mi ha telefonato la sera. Io al mattino avevo visto Pelé fare pubblicità American Express. Allora io ho detto sì, Pelé fa pubblicità American Express e voi chiamate me a rappresentare la lirica. Grazie. Il y a également eu un film. C'è anche stato un film. Yes, Giorgio. Sì. Yes, Giorgio. Sì. Êtes-vous content de ce film? È contento? Io di sì. Film? Oui. Pubblico forse no. Ma je suis très content peut-être. Le public non. Alors pourquoi le public n'a pas suivi? Ma forse anche è stato il film è stato un po' massacrato prima che uscisse. Ancora prima. Oui. Le film a été entravé ou massacré avant sa sortie. È uno scandalo che un tenore fa un film, no? C'est un scandale che pour un tenore che di tourner un film. Oh, intendiamoci, non è un premio Oscar, questo film. Évidemment, c'est pas un prix Oscar, ce film. Ma è buono. Disons, il est bon. Se ti piace l'opera. Si vous aimez l'opéra. Que pensez-vous, par exemple, alors d'Amadeus C'est un capolavoro. C'est un chef-d'œuvre, Amadeus. Masterpiece, fantastique, exhilarant. C'est vraiment... Beautiful. Grande publicité pour l'opéra.
C'est un grand chef-d'œuvre et c'est une grande publicité pour l'opéra. Non, j'ai vu Carmen, mais tous m'ont dit que c'est fantastique. Je n'ai pas vu Carmen, mais tout le monde m'a dit que c'est fantastique. Et la Traviata de Zeffirelli. La Traviata de Zeffirelli. Oui, yeah. Non, così. Non, pourquoi? Non comme, non comme Amedeus, mais Traviata est une parte, est une opéra. Anche la Carmen di Rosi è un poco diversa, e poi la Carmen è moderna come musica, è più vicino a noi. La Traviata è come un mobile antico, è molto difficile di poterlo manipolare, si perderebbe quella che è la sua caratteristica. Ecco perché io ho detto della Traviata oui e no, perché oui tutto quello che è bello, no tutto quello che non può essere modernizzato. Nous allons voir maintenant un extrait quand même de ce film, de votre film. Nous allons le revoir ensemble, du film Yes Giorgio. La séquence que je vous propose, que nous vous proposons, a été enregistrée au Metropolitan de New York, au Met. Et moi, personnellement, je suis très heureux d'écouter le fameux Nessun Dorma du Turandot de Puccini. Va bene. Va bene. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure a principessa nella tua fredda stanza. Luciano Pavarotti, vous aimez, vous regardez? Non, ma questo è facile cantare però così, è molto più facile cantare. No, non mi piace guardarmi mai perché vorrei essere più magro e anche vorrei, sento i difetti che io ho nella mia voce, che per me sono tantissimi, allora non va bene così, è un po' soffrire. Se mi vuole invitare a pranzo a casa sua e farmi un grande dispiacere, mette su un mio disco. E allora sarà un grande dispiacere. Si vous étiez plus mince, vous auriez cette même voix? Oh, sì. Bien sûr. Oui. È una scusa di noi cantanti. Quella di... Che exigez-vous d'un théâtre? L'organizzazione, e purtroppo non ce ne sono molti che ce l'hanno adesso, ma i più
più importanti hanno questa organizzazione e di solito organizzazione in teatro vuol dire grandi risultati. Le Grand Théâtre, vous êtes à Paris, vous allez donc dire c'est Paris. Là, il y a Parigi, qui vit à Parigi. Bien sûr, bien sûr. Oui, à Londres. À Londres. Londres. À New York. À New York. Si. Diplomatique. Diplomatique. Vous faites votre carrière aux États-Unis. Lei ha fatto la sua carriera, o fa la sua carriera. L'Europe ne suffit pas. L'Europa non le basta. Ma non è mai bastata a nessuno l'Europa di cantanti. Dai tempi di Caruso si cantava un po' di qua e un po' di là dell'oceano. Ci si impiegava più tempo a andare, ma l'America è sempre stata una grandissima piazza importante per il cantante, molto più importante che per il direttore d'orchestra. Donc, ceux qui ne vont pas aux États-Unis ne sont pas de grands chanteurs. No. Questo no, perché può decidere, uno può decidere di non andare negli Stati Uniti, ma se uno, se non è chiamato negli Stati Uniti, allora forse sì. Compris? Compris. Je vais vous demander, Luciano Pavarotti, de rejoindre l'orchestre de l'opéra, dirigé par votre ami Anton Guadagno. D'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de vos disques, hein, Guadagno. Sì, molti dischi c'è Anton Guadagno. Abbiamo fatto il disco delle canzoni napoletane. Il ne sourit pas souvent. No, ma sorrido io. Nous allons écouter Torna e Soriente de Curtis et puis un peu du Requiem de Verdi. Vedrai che quando vado là, quando vado là non sorrido più neanche io. Quand je vais là-bas, je ne vais plus sourire non plus. D'accord.
Gracias non sunt digne se tu bonos va venire ne perenni cremeri Luciano Pavarotti, nous avons voulu que cette soirée soit totalement consacrée à la musique, au chant, qu'elle ne soit pas accompagnée, par exemple, des variétés chères à votre ami Placido Domingo. Io non lo so, non ho visto Placido fare questo show, quindi non posso dire cosa ha fatto, se mi è piaciuto. Io faccio sempre il mio show senza guardare quello che fanno gli altri. In tout cas, vous vous occupez bien de vos amis. Sì, oui. Penso di sì, spero. Et vos amis sont également musiciens. Sono musicisti, sì. Amici. Sì. Par exemple Jean-Pierre Rampal. Fantastico. Questo è il dio del flauto. C'est le dieu de la flûte. Fantastico. Incredibile. Et puis nous avons l'élève aussi de Jean-Pierre Rampal, votre ami, qui est comme de la famille, Andrea Greminelli. Sì, Andrea. Andrea, quel professeur est-il, Jean-Pierre Rampal? Bon, vous avez étudié avec lui, mais aussi avec Alain Marion, je crois. Oui, et Michel Debost. Et Michel Debost. Oui, conservatoire. Ben, c'est un professeur inspirateur, surtout. Il inspire surtout l'élève. Parce qu'avec lui, on apprend la musique à être avec lui et jouer avec lui. Alors là, vous allez l'écouter dans le concerto pour violon et orchestre de Haydn. Transcription pour flûte que vous connaissez bien. Et Jean-Pierre Rampal, évidemment, joue avec l'orchestre de l'opéra, dirigé par Anton Guadagno. Alors voici votre ami, Jean-Pierre Rampal. Thank you.
concerto pour violon et orchestre de Haydn, transcription pour flûte, et c'était Jean-Pierre Rampal. La perfection. La perfection, le poète. C'est la perfection, poète. C'est le poète. Oui, fantastique. Il faut cette perfection dans toutes ces disciplines. Il n'y a pas que le don, il y a le travail. C'est toutes les deux. Quand si est così comme Rampal, c'est il talento col quale tu sei nato e che ti distingue da tutti gli altri, e poi c'è sicuramente una tecnica imparata e uno studio costante fino a che si eseguono brani in pubblico, io penso. Il vous arrive d'aller au concert, d'aller écouter les autres, les musiciens, d'aller voir des opéras, les autres ténors? È molto difficile. Ma sì, gli altri tenori delle volte quando fanno un debutto importantissimo in un teatro dove io sono, ma è difficile, molto difficile, perché da quando io ho cominciato a cantare 24 anni fa non ho neanche tempo di leggere i libri che io preferisco. Ho rimandato questo a quando non canterò più. E questo mi dispiace, questo è un grande cruccio nella mia vita. Luciano Pavarotti, noi vous avons écouté jusqu'à présent dans beaucoup d'extraits, des extraits d'opéra, des chansons du répertoire de chez vous. Canzoni del repertorio. On vous a vu à Modène, chez vous. Modena. Et maintenant, nous sommes heureux de vous retrouver. On imagine que nous sommes à l'opéra. Imaginiamoci di essere all'opera. Vous allez nous offrir un petit récital à votre manière. Un piccolo récital à modo suo. Avec l'ami qui est toujours avec vous, toujours près de vous, au piano, John Wossmann. Et je vois que nous avons su inscrire, vous avez su inscrire, comme ça, à la suite, et c'est une suite heureuse. Giordani, Bellini, Gluck, Licrenzi, Tosti, Paolo Tosti. Je veux dire que Tosti est souvent interprété par vous. Ah si, Tosti est Schubert italien. Se noi anche non vogliamo dire di no, non importa, questo è quello che abbiamo noi. Tosti, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. La fine del 19e secolo, inizio del 20e secolo. Puis-je vous demander de rejoindre John? Certo, con grande piacere. Avec beaucoup de plaisir. Okay. Nell'avvenir dille pure.
Ancora il dì che ci incontrai.
sogno nel mio cuore vo cantando tutta la notte al mare. Mi son fermato a una finestra in fiore perché l'anima mia febbrea d'amore. Mi son fermato a una finestra in fiore dove son due pupille affatturate. Una d'estate, luna d'estate, amore come il mare ed il mio cuore è un mondo senza posa, ma solamente lo potranno fermare le pupille di labbro tuo di rosa. E vo cantando tutta la notte al mare per quelle due pupille addormentate. E ho le pianto agli occhi e la speranza in cuore e splendon come te. Luna d'estate, luna d'estate. Thank you.
Je rappelle le nom de votre ami, le pianiste John Osman, qui vous accompagne souvent et qui est avec vous un peu partout dans le monde. La voix est-elle comme le vin, Luciano Pavarotti? Elle se bonifie? Si. Quand il est trop vecchio, bisogna buttarlo via. Quand c'est trop vieux, il faut jeter le vin. Ma fino a un certo punto è buono. Jusqu'à un certain point, il est bon. Bisogna vedere qual è il punto in cui bisogna buttarlo via. Ma non parlare a me di questo, eh. J'ai compris votre secret. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'il fallait d'abord aimer les gens. Credo che è una regola generale che bisogna amare il prossimo. Ma io ho detto che amo la gente, non che voglio amare la gente. L'amo. Alors là, il y a un sujet, je ne sais pas si nous avons raison de l'aborder. Je voudrais parler de la technique. Parce que la technique me paraît parfois, aujourd'hui, un tout petit peu abandonnée. Partout le monde. Moi aussi. Ah non. Quand même. Quando io ho incominciato a cantare 24 anni fa, e davanti a me c'erano almeno 25 tenori famosi. Se adesso uno incomincia a cantare e vuole diventare un tenore, non trova 25 tenori famosi. Vuol dire che la vita adesso è più facile e vuol dire che non è obbligato a cercare la tecnica e quindi fa con quello che ha e si accontenta di più. Forse avrei fatto così anch'io se avessi avuto meno competizione. Et si la technique est un tout petit peu abandonnée, c'est peut-être la responsabilité des professeurs. Non, io faccio un concorso di canto per giovani cantanti a Filadelfia e posso dire che quelli che si presentano al concorso, quelli bravi che vincono il concorso, sono molto più bravi di quello che ero io o Mirella Freni o questa generazione che io conosco bene. Quando noi facevamo il concorso. Vuol dire che il professore fino a un certo punto guida l'allievo meglio di quello che eravamo guidati noi. Ma dopo di questo l'allievo è abbandonato a se stesso. Forse adesso non ci sono più i maestri di canto, i maestri direttori d'orchestra che hanno tempo per insegnare ai cantanti. Forse, non sono sicuro, forse. Vous aimez, Luciano Pavarotti, donner des leçons, surtout aux baritons, pas tellement aux femmes. Però io ho un'allieva solo, che è una cantante, è una donna, una bella ragazza, è un soprano. Ma se trovassi un tenore che vuole lezione, o un baritono, se trovassi un baritono con una bella voce, ci sono troppo poco baritono. Andrea Griminelli, je vais vous demander de rejoindre votre maître Jean-Pierre Rampal. Oui, bravo. Et l'orchestre de l'opéra, toujours placé sous la direction d'Anton Guadagno. Et nous allons écouter ensemble, ça va être un très joli duo, Luciano. Il le regarde parce que vous êtes ému en le voyant. Parce qu'il est chez lui, Je suis quelque peu ému, effectivement. Mais lui a son maître là, que non. Mais il a son maître là-bas. Il n'a pas besoin d'aide morale. Alors nous avons choisi le deuxième et le troisième mouvement du concerto pour deux flûtes de Jim Arosa. Oh, bellissimo. Très très beau. Très bien.
le signe du talent, c'est le maître qui s'efface auprès de l'élève. Hein. Bah, je dirais que non, que non si cancella per niente. Je dirais qu'il ne s'efface absolument pas. Ma dove è andato? È andato via. È parti. Où est-il? Il est parti. Il avait un concert. Bene. Maintenant, j'ai compris. Après-demain, nous serons déjà Noël. Ce sera Noël. Hein? Après-demain. Hein? Et Jean-Pierre nous a envoyé André Criminelli pour justement nous offrir un peu de ce Noël. Où serez-vous à Noël? À casa, spero. À la maison, j'espère. Et tout? Peut-être. Vous connaissez bien la cathédrale de Modène? Ma forse ci sono dei turisti che la conoscono meglio di me. La conosco bene, sì. Je la connais bien. Ho cantato tante volte da bambino nella chiesa. J'ai beaucoup chanté en tant qu'enfant dans le cœur de l'église. Et vous chantiez sans doute Ave Maria? Cantava l'Ave Maria. L'Agnus Dei. L'Agnus Dei. Ah, sì, certo. Et puis il y a l'organiste de la cathédrale. C'è l'organista della cattedrale. Maestro Borri. Livio Borri. Livio Borri, sì. Et on vous retrouve près de lui. La et vous chantez di fianco al maestro Borri e le canta. Dans cette belle cathédrale, je vous souhaite un bon Noël pour après-demain. Grazie, le auguro un buon Natale. Altrettanto a tutti.
Luciano Pavarotti, il vous arrive aussi de chanter à, avec votre père. Il canta con suo padre, sì. Oui. Proprio in questa chiesa. Dans cette même cathédrale. Sì. À cette même place. Sì. Ce sont eux, vos parents, qui vous ont entraîné dans cette discipline. Mio padre mi ha dato la voce. Mon père m'a donné la voix. Et mia madre mi ha ordinato di diventare tenore. Et ma mère m'a commandé de devenir ténor. Oui. Et siccome mi piaceva questo ordine, l'ho eseguito subito. Et comme j'aimais beaucoup cet ordre, je l'ai suivi immédiatement. Con grande fatica, Ma subito. Avec beaucoup de peine. Ma ho provato subito. Mais j'ai essayé tout de suite, d'emblée. Vous pensez avoir fait une grande route où il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais, per un uomo finché è nella nostra professione ha sempre della strada da fare, anche perché è un eterno studente, quindi deve fare la strada di ogni giorno. Siccome però l'uomo muore verso i 70 anni, io credo di aver fatto più strada di quella che devo fare. E dans le restant du chemin, il y aura Otello? Forse no. Peut-être non. Pourquoi? Perché no? Perché sì. Perché no? Parce que... Non lo so. Je ne sais pas. Adesso no. Maintenant, non. Fra due anni, forse sì, chissà. D'ici deux ans, peut-être, oui, qui sait. Alors maintenant, il y a une très belle rencontre. C'è un bel incontro adesso. Une cantatrice que vous aimez, avec laquelle vous aimez faire de belles choses. Con la quale lei ama molto. Joan Sutherland. Joan Sutherland. Sì. Sì. Fantastica. Elle est fantastique. Ah. E la divina. C'est la divine. La stupenda. C'est magnifique. Alors là, vous vous souvenez sans doute. Si ricorda. C'était au Lincoln Center. Era il Lincoln Center. Un très beau spectacle, je crois. Très beau. Un magnifico spettacolo. Très beau récital. Oui. Vous êtes content de celui-là. Oui, il est content de le réciter. Et c'est un extrait de Lucia di Lammermoor. Donizetti. Donizetti. Thank you.
Je comprends, Luciano Pavarotti, qu'on puisse être content d'un moment comme celui-là. Sì, veramente uno dei momenti in cui io sono stato più contento di tutti, perché era un po' di tempo che la Sutherland, la John, non veniva più a New York, è tornata con questo concerto ed è stata una cosa fantastica, meravigliosa per lei e anche per me che ero con lei. E l'orchestra filarmonica di New York è dirigé, je crois, par le mari de John Sutherland. Filarmonica di New York, Richard Bonning, Richard Bonning, par son mari. Un grandissimo collaboratore e maestro. Per tutti noi cantanti. Un grand collaborateur et chanteur pour nous tous. Un grande musicista lui stesso. Et c'est un grand musicien lui-même d'ailleurs. Vous vous êtes déjà demandé si vous n'aviez pas eu cette voix, si vous n'aviez pas eu l'opéra, si vous n'aviez pas eu la musique. Quel est le métier qui aurait pu vous donner un bonheur pareil? Io prima di diventare cantante ero maestro per le scuole elementari per i bambini. Ho anche insegnato 2 anni, mi sono divertito e ho perso anche la voce urlando dietro questi bambini, ma mi sono divertito molto. Forse avrei fatto il maestro elementare. Je vais une fois encore vous demander de bouger, Luciano Pavarotti, parce que vous allez rejoindre l'orchestre de l'opéra, toujours dirigé par Anton Guadagno. Et là, nous avons choisi, vous avez choisi Tosca, de Puccini. Tosca, de Puccini. Et Lucevan Lestel. Et ensuite, un extrait de Mephisto. Andiamo. Trio 3.
sì, ma il real fu dolore ed ideal fu sogno. Fu una to sulle passo estremo della più estrema évidemment, le Luciano Pavarotti des écoles de chant, il y a même un concours, il y a le concours Pavarotti à Philadelphie. Alors, vous l'avez créé à quel moment? Nel ventesimo anniversario del mio debutto, ho pensato che era tempo che facessi qualcosa per me, come avevano fatto 20 anni prima, e allora abbiamo fatto il primo concorso di canto. Luciano Pavarotti, c'est bien d'avoir... inventé ce concours Pavarotti à Philadelphie. J'espère que les jeunes filles et les jeunes gens que vous lancez feront une carrière. Mais il y a une élève particulière. Madeleine René. Et celle-là, vous avez voulu qu'elle puisse chanter avec vous. C'est une chance que vous lui donnez. Une possibilità che l'ha dato. Ma c'è una possibilità a lei come cantante e a me come maestro in futuro. Alors nous allons vous regardez parce que vous l'avez souhaité. Cette séquence a été enregistrée d'une manière particulière. Vous voulez regarder votre élève et pouvoir la juger après. Alors il s'agit de la bohème. Alors il y a Rodolphe. Hein? Il y a Mimi. Et puis il y a Mimi et Rodolphe. Et puis il y a le duo. Hein? Andiamo. Alors on regarde. Hein?
Non, ah, guardiamo. Ouais. Ici, on est bien, là. On est bien, là. On regarde. Siamo tranquilli. Che gelida manina se la lasci riscaldare, cercare che giova al buio non si trova. Ma per aspetti, signorina, le dirò con due parole, chi sole, che faccio con mio. Chi sono? Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo. In povertà mia lieta, tranquilla e lieta, ed è il mio sbaglio.
non vado sempre a messa, ma prego assai il Signor. Vivo sola, soletta, là in una bianca cameretta, guardo sui tetti e Yeah.
Alors, Luciano Pavarotti, que dit le professeur? Che pense-t-il de son élève Madeleine Rosa? Quando si canta sul palcoscenico non ci sono più professori, sai. Forse lì ero più emozionato io di lei, quindi cosa devo dire? La mia allieva mi piace, le insegno io. Penso che sia una bella ragazza con una bella voce. Sufficiente? Credo di sì. Elle sait la chance qu'il a eue. Elle sait aussi la responsabilité qu'elle avait. Et je sais, moi, le trac qu'elle portait. Vous vous en rendez compte? Certo. Oui. Certamente. Oui. Mais elle sait la chance qu'elle a eue et c'est quand même un sérieux coup de pouce. Concia de la fortuna qu'elle a avuta, de la spinta qu'elle a avuta. On pourrait dire, Luciano Pavarotti, que la vie vous a tout donné. Sì, penso molto, moltissimo. Oui. Il 90, nessuno può avere tutto, ma io ho avuto il 90%. E pensa che non ho mai chiesto niente. Et je n'ai jamais rien demandé. Forse anche per questo sono molto felice. Et c'est peut-être pour ça que je suis très heureux. Ce n'est pas tout à fait le hasard quand même. Ma forse, sì, chissà. C'est peut-être le hasard, je ne sais pas. Alors un succès énorme, formidable appétit de vivre. Un formidable appétit di vita. Sì. Les amis. Les chevaux, vous avez combien de chevaux? Cavalli, combien? Non mi ricordo più. Je ne sais plus, je me rappelle plus. Je vais dire très vite une quarantaine. Il y en a des bons? Non, non. Pas des bons, zéro. Zéro? Non, je n'en suis pas si sûr. Le jour où, tous les cavaliers italiens iront sur les chevaux de Pavarotti. Ma force, qui ça? Peut-être, peut-être ils iront sur les chevaux. Le football, nous en avons parlé. Alors que vous montrez-il? Cosa dobbiamo dire di calcio? Dobbiamo dire qu'est-ce qu'il faut que nous disions. Io spero per voi che la Francia vinca i campionati del mondo. J'espère que la France gagne au championnat du monde. Per voi. Pour vous, je souhaite. Mais pour vous. Ma per me, bah non. L'Italia. Alors, j'espère pour vous que l'Italie gagnera. Et per lei la Francia, no? Et pour vous la France. Je crois. Je crois. Alors, merci. Grazie. Je sais que vous allez, pour notre chance... per la nostra fortuna. Nous présenter encore trois airs, trois refrains. Ancora tre arie. Et après, nous nous séparerons. Et dopo, avec un dernier morceau. John Westman vous attend. Merci, merci. On se revoit. On se revoit. Torna qua. E poi Que faro senza e la suite e Que fiero costume. Che fiero costume, parola numero uno. Senza
Gerolme che a forza di pene si faccia adorar, si faccia adorar, che a forza di pene si faccia adorar. Eppur nell'altore il trio traditore un vago sembiante mi fe idolatrare, un vago sembiante mi fe idolatrare. Che fiero costume da Ligeronme che a forza di pene si faccia adorar, si faccia adorar, che a forza di pene si faccia adorar. Che crudo destino che un cieco bambino con bocca di latte si faccia stimar, si faccia stimar, con bocca di latte si faccia stimar. Ma questo tiranno con barbaro inganno entrando per gli occhi mi fe sospirar, entrando per gli occhi mi fe sospirar. Che crudo destino che un cieco bambino con bocca di latte si faccia stimar, si faccia stimar, con bocca di latte si faccia stimar. Monsieur le Pavarotti, à quel moment éprouvez-vous de la fatigue? À 6 du matin. À 6 heures du matin? Oui. Parce que io sono nato à l'una di notte. Je suis né à 1 heure du matin. Et mia madre mi ha detto che ho pianto fino alle 6, poi mi sono addormentato. Ma mère m'a dit que j'ai pleuré jusqu'à 6 heures et après je me suis endormi. Alors penso che così sempre sia. Et je crois que c'est toujours comme ça pour moi. Bon, le présent est excellent, on le sait tous, et il est beau sur toutes les scènes du monde. Mais vous arrive-t-il de penser à l'avenir? Si et non. Oui et non. Io sono un po' come Orazio. Je suis comme Horace. Io prendo il giorno. Je prends le jour. Et anche non potrei essere altro che così, essendo ottimista. Et donc je vis au jour le jour. L'ottimista guarda oggi, pensa che domani sarà bello come oggi. Celui qui est optimiste pense que demain sera beau comme aujourd'hui. Anche se non è vero. Même si ce n'est pas vrai. Et si la voix part en balade un jour, vous deviendrez chef d'orchestre, vous aurez une école, Nicole Pavarotti. Cosa vorrei fare? Sì. Senza più la voce. Qu'est-ce que je pourrais faire sans voix? Maestro di canto, no? Le maître de chant. Sì? Merci. Merci, Luciano Pavarotti. Merci pour cette soirée. Grazie a voi. Buon Natale a tutti. C'est moi qui vous remercie. Joyeux Noël à tout le monde. Alors, c'est vrai, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous tous, hein. Après-demain. Je ne peux pas oublier que nous vous avons reçu ici, dans ce même studio, il y a 15 ans. Nous sommes heureux d'avoir pu vous suivre, d'avoir su vous suivre. Alors un dernier joyeux Noël et puis on se dit au revoir. Mais je vois là-bas John Ousmane qui vous attend. Eh oui. Pourquoi? On va remercier Massimo qui nous a prêté sa voix d'interprète. Encore, hein? Cantare encore. Oui. Nessun dorma? Eh oui. Eh oui. Comme promis. C'était oui. Si. Si. Mais non, le mettez.
fredda stanza vuol dire stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessuno saprà. Shut up!